nous allons poursuivre avec notre dernier témoin pour ce numéro Instant Témoignage. Quand je dis l'esprit d'erreur, est-ce que ça ne vous rappelle pas un message de la révérende Tania Ouattara? Je l'ai dit tout à l'heure à Dieudonné qui était sur mon plateau, le message du bishop Ouattara le concernait, mais le bishop Ouattara est accompagné d'une grande et magnifique dame qui elle aussi est pasteur et donne des enseignements poignants dans cette maison. Son enseignement sur l'esprit d'erreur a pu délivrer la vie de quelqu'un qui nous en parle. Il s'agit de Monsieur Akapovi Osvaldo Eddy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, c'était quoi cet esprit d'erreur? Je vais tout d'abord être reconnaissant à l'endroit des dieux, du Dieu de nos parents spirituels et à nos parents spirituels, bien évidemment, pour tout l'amour qu'ils nous portent. Je pense que durant les 28 jours, j'ai traversé 10 jours intenses durant ces 28 jours, où j'ai été tourmenté par cet esprit d'erreur. Ça a commencé tout simplement au culte, où j'ai eu cette sensation que papa était fâché contre moi. Je ne savais pas pourquoi. Et chaque jour qui passait, en fait, cette sensation s'amplifiait. Et je n'avais plus envie, en fait, de rester là, d'être à l'église. J'étais vraiment sur le point de partir, hein, en fait, parce que même les soirs, après les différentes prédications, je pense que papa revenait à la chair pour faire un récapitulatif, mais j'avais une sensation véritablement d'agacement, d'énervement, en fait, où j'étais vraiment las, en fait. J'avais envie de partir et tout le reste m'énervait. Est-ce qu'il y avait une raison, est-ce qu'il y avait quelque chose qui présageait qu'il soit vraiment fâché contre vous? Il y avait une raison valable, quelque chose sur lequel vous vous appuyez peut-être? Non, je pense qu'il n'y avait aucune raison. En fait. En fait, c'est une sensation qui est montée, je vous avoue. Vous ne saviez pas d'où elle vient? Je ne savais pas d'où elle venait. Elle a été subite? Elle a été subite. Tout d'un coup, vous sentez que papa, il est fâché contre vous? Je ne sais même pas pourquoi, en fait. C'est comme nos regards sont croisés. Et puis, il y a cette sensation qui est rentrée. Bon, après, tout banal, je me dis, bon, c'est quelque chose qui est anodin. Mais chaque jour qui passait, ce sentiment s'amplifiait. Et vous voyez, en fait, un enfant qui a son père ou qui pense que son père est fâché contre lui, en fait, l'enfant, en toute humilité, va se rapprocher de son père. Et moi, j'étais amené, en fait, à éviter papa. C'est-à-dire, j'évitais de le croiser, j'évitais en fait même tout contact avec les parents en fait. Dès que le culte finit, je veux partir. Je voulais même pas avoir un moment où papa va m'appeler pour un truc. Tout me repoussait en fait. Et durant ces 10 jours en fait où j'ai des bouts de conversation qui me reviennent et c'est en fait c'est pas les bons bouts de conversation, c'est-à-dire que les conversations étaient déplacées de leur contexte. Et là l'esprit me dit, tu vois, il ne peut pas te délivrer, il ne peut rien faire pour toi. Donc j'avais ces voix, je luttais dans mon esprit. J'avoue que, véritablement, durant ces 10 jours, c'était vraiment intense, hein, c'était vraiment intense. C'est cette conviction forte, parce que j'ai vu papa à l'œuvre, j'ai vu maman à l'œuvre, j'ai vu l'amour qu'ils ont pour nous. C'est ces choses-là qui sont, je vais dire, mon expérience personnelle avec les parents, qui m'ont permis de tenir avec le discernement. Sinon, j'étais vraiment sur le point de partir. Et même quand on m'appelait pour des réunions, peut-être que les hommes de miracle n'ont pas constaté, souvent quand on m'appelait pour les réunions dans ces 10 jours, je disais souvent, écoutez, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Voilà, dans un vraiment très agacé. Donc tout m'éloignait de l'église, aucune envie d'accomplir les tâches qui étaient les miennes à l'église, mais vraiment, voilà, j'étais fatigué. Et j'avais une fatigue extrême, c'est-à-dire que quand le culte finit, j'ai même pas envie d'attendre une seconde. Je traîne souvent avec Koudou. Je dis, même quand il m'appelait, je lui ai dit, non, Koudou, je suis fatigué. Moi, je rentre, si tu veux rester, reste pour ton service, mais moi, je rentre chez moi. Donc voilà un peu. C'était vraiment très intense. On n'arrive pas à le qualifier parce que ça vient avec un ensemble. Maman, dans sa prédication, nous disait, c'est comme un vent. Et je dis merci encore à maman parce que au cours de la prédication, j'étais distrait. Et à un moment donné, mon esprit s'ouvre.
Et j'entends une voix qui me dit, tu vois, tout ce que tu as vécu durant ces 10 jours, c'est l'esprit d'erreur. Parce que c'est un mélange d'orgueil, de colère, je dirais plein de trucs qui vont avec, en fait, qui ne vous emmènent pas à rester, mais qui vous poussent à partir, en fait. Ouais. Voilà un peu comment on peut le décrire. Donc, vous avez l'orgueil, vous avez la jalousie, l'envie. Vous scrutez, en fait, tous les faits et gestes de papa. C'est-à-dire, si papa a touché quelqu'un à côté de vous, il ne vous a pas touché, vous vous dites tout de suite, OK, il ne m'aime pas. S'il m'aimait véritablement, il allait me toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, tout était réuni pour que vous pensiez ainsi, alors qu'il n'en était rien. Rien, en fait. C'est-à-dire que papa, je ne sais pas moi, mon fils à l'autre, il ne vous dit pas mon fils. Tout de suite, vous pensez que... Bon, il y avait tellement de situations, je vous dis, des bouts de conversation que moi, j'ai eu en privé avec papa. Je revois des parties qui étaient carrément sorties du ça contexte. Ça revenait de manière décousue, hors du contexte. Et ça vous laissait croire que tout ça, c'était un signe qui montre que vous n'étiez pas aimé, que votre père spirituel... Je n'étais pas à la bonne place. Papa ne pouvait rien pour ma délivrance. Il fallait que je parte. Donc ça, vraiment, c'était ce que j'ai vécu. Mais 10 jours sous une oppression terrible. Et je dis encore merci à maman parce que sa prédication, je pense, m'a ouvert l'esprit, alors là, d'une certaine manière. Et tout de suite, durant le culte, je me suis repenti, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai été poussé à aller dire, à aller me confesser, hein, en fait, auprès des parents, à leur dire ce que j'ai vécu, parce que c'était indescriptible, véritablement. C'est donc après la prédication de votre mère spirituelle, le pasteur Tania Ouattara, durant ces 28 jours de jeûne, qui avait pour thème l'esprit d'erreur. Oui, bien sûr. C'est après cette prédication que vous avez compris qu'en réalité, tout ce que vous pensiez voir et observer n'était que la manifestation de cet esprit pour vous déconnecter de vos parents spirituels, le ricochet de l'Église, ambassade des miracles. Oui. Vous sentiez donc cette oppression. Oui. Et à quel moment vous êtes revenu, j'ai envie de dire, à vos activités dans l'Église, puisque vous les fuyez? Je pense que tout de suite après, c'est dès que je me rends compte, parce que c'est 10 jours où j'étais vraiment déconnecté. Et pour vous dire, à un moment donné, je servais au protocole. Donc après les 28 jours de prière, je pense, on me sollicite parce qu'il y a un manque d'effectifs au niveau de la sécurité. J'ai servi tout un culte et je me suis rendu compte que j'avais cette sensation que c'était la première fois que je servais au sein de l'Église. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire, je suis là, vous me voyez tous les jours, mais après avoir été délivré, je fais un service après plusieurs jours. Je suis resté debout tout le culte, j'étais derrière là-bas, et je disais au commandant Oulahi, je lui disais, mais tu sais, j'ai la sensation que c'est aujourd'hui que je sers dans la maison, pour la première fois. C'est-à-dire que c'est comme si rien, jamais je n'ai rien touché dans la maison. C'est-à-dire que c'était comme si j'avais jamais rien touché, en fait, comme service, jamais rien fait comme service dans la maison. Ce jour-là, après la délivrance, je me suis rendu compte que c'était un soulagement accompagné d'un apaisement du cœur, accompagné de... Voilà, vous avez été utile, en fait. Vous avez cette sensation-là, après la délivrance. C'est donc là le signe de votre délivrance qui prouve que vous avez été vraiment délivré de cet esprit d'erreur et que vous êtes de nouveau à votre place, où il faut et comme il le faut. Oui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'avec vous, on va terminer. Oui, j'insiste sur le fait que c'est aussi banal que ce soit, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et moi, personnellement, j'ai mes convictions, et mes certitudes, mes convictions fortes par rapport à ce que les parents sont véritablement ce qu'il nous faut. Si on est là, on est à la bonne place. Mais au-delà de tout ça, j'invite chacun à avoir ce qu'on appellerait en entreprise une expérience unique avec les parents. Moi, je me rappelle, en pleine nuit, je dormais, j'ai entendu la voix de papa m'appeler. « Acapovi Osvaldo Edi », je me suis levé et j'ai crié « Oui, papa ». C'est des choses comme ça qui, mis l'un à côté de l'autre, m'ont permis de tenir. Et l'autre chose, c'est que c'est anodin. Je dis encore, ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas partir de l'Église.
il faut se rapprocher des pasteurs, il faut en parler, parce que n'ayez pas peur d'être jugé. Moi, je l'ai dit, j'ai été confessé à maman, j'ai été confessé à papa, sans avoir peur d'être jugé pour me dire je ne suis pas spirituel ou je ne suis pas... Bon, le regard qu'on va porter sur nous, les parents ne nous jugeront jamais. Au contraire, ils nous prouvent qu'ils nous aiment. Ils ne m'ont pas déchargé, ils ne m'ont pas dit tu n'occuperas pas de responsabilité. Au contraire, ils ont prié pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont dit voilà, il faut... c'est l'esprit d'erreur, tu as compris et je sais que je suis délivré. Merci. Gloire à Dieu donc pour cela. Monsieur Akapovi, Osvaldo Eddy, comme vous le dites, ce sont vos expériences personnelles avec vos parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et le révérend pasteur Tania Ouattara, qui vous ont permis, malgré cet esprit d'erreur, de rester. Parce que quelque part, il y a quand même, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit qui vous montrait que vous aussi, vous avez votre place ici. Avec vous, nous allons refermer cette émission, bien sûr, après cette transition.